Rivière Massacre, là, nous dit, on canal, on prise qui a pris sur Rivière, là. Qui position en avant et qui sont connus de l'UQABA, nous, comme update sur question ça? Et nous avons raison, oui, nous avons sauté sur le dossier ça. Okay. Parce que son dossier, pour nous suivre de près. Mm-hmm. Parce que son dossier qui commençait avec ça, nous capable de une crise technique. Rivière Massacre, son rivière qui traversait deux pays. Ça veut dire qu'il y a deux pays qui ont prétention, qui ont droit d'exploiter rivière ça pour le peuple, sans yon pas nuit à l'autre pays. C'est ça. Donc, c'est un dossier qui t'a simplement concerné des techniciens qui pouvaient acheter pour regarder qui modalité technique d'exploitation rivière. Okay. Mais nous sortons d'une crise technique à une crise diplomatique. Pour qui ça? Parce que le ministre Affaires étrangères République dominicaine monté au créneau, il a lancé ultimatum, il a demandé camper travaux et il mettait question sur son terrain diplomatique. De une crise diplomatique, il vient passer qu'on y a une crise politique. Okay. Pour qui ça? Parce que le président Abinader monté au créneau et lui-même n'a plus loin. Il menaçait que la prenne des sanctions pour fermer les frontières, pour l'empêcher et tout, capable de dire vol commercial en Haïti et la République dominicaine. Très bien. Donc, qu'on y a une crise politique. Et crise politique, ça, à côté de le bralé, mais nous avons une crise sécuritaire et militaire. Malheureusement, Valérie Saint-Louis, qui ça nous est? Devant la crise totale, ça, nous est que le gouvernement sortit un communiqué. Un communiqué, ou autre. Nous sommes capables de dire dans la langue française, ça nous est un communiqué laconique. Pour dire qu'il y a une commission de 5 membres à parler à l'autorité dominicaine. Il n'y a aucun problème contre mon caléo, mais c'est des techniciens haïtiens et c'est des, peut-être des diplomates qui partent de plus haut rang. Okay. Nous besoin en délégation au plus haut niveau, qui est le ministère des Affaires étrangères, okay. Qui est le ministre TPTC qui est impliqué, qui est le ministre de l'Environnement qui est impliqué, et peut-être des personnalités haïtiennes qui ont une résonance internationale pour nous former, ça nous capable de un. Une délégation à haut niveau et puis pour aller parler avec Dominique. Dans tête frette, respect une pour l'autre, patriotisme, compétence, intelligence pour aller défendre l'intérêt pays. Ça ne va pas obliger à jouer. Il faut porter une parole haïtienne. Parce que faut dire à l'agent Lia, sous dossier ça, Haïti n'a pas le droit. Parce que Rivière Massacre, qui traverse deux pays, Dominicain qui a fait 11 points d'eau là-dedans. Il est exploité dans 11 côtés. C'est la première fois que nous allons l'exploiter. Cependant, le deuxième point que fait Valérie Saint-Louis, c'est pour le gouvernement haïtien prendre responsabilité pour reprendre le contrôle du canal, pour reprendre le contrôle du dossier. Parce que c'est des discussions pour faire d'État à État. Parce que l'exploitation, ça, nous pas qu'à quitter le nom, mais il faut nous encadrer les paysans. Nous ne pas qu'à quitter aussi eux-mêmes qui ont construit le canal. Oui, là, alors que son dossier étatique, parce que faut le construire avec les normes. Sismique, tout à fait. Les normes qu'on est technique, donc, c'est parce que l'État ici n'a pas fait face à la responsabilité qui fait qu'on dossier que le dégain contrôle sous lui, l'équité de ces populations que l'agé pour contre lui, qui est obligé de reprendre dossier en main. Ou même, si tu as parlé avec la population, moun dans la zone, justement, qui a mis tes mains dans la construction au Canada, qui sont à dire, soit pas avec eux? D'abord, je dis que je m'assure de solidarité à 200%. Si vous demandez pour le canal la fête, ça veut dire qu'il y a besoin de loi. Okay. Et lorsqu'on leader, on a servi pour un peuple, il faut attendre. Deuxième, ça m'a dit, tête frette. Tête frette, et c'est pour continuer à demander l'État ici pour faire face à la responsabilité pour encadrer. On a dit, quitter l'État, rentrer dans le dossier, et on a dit, rester mobilisé. Mais dans la non-violence, et surtout avec un pile intelligence, on a rappelé que ce canal-là seulement qui fait pour qu'on ait une jonction qui fait notre gloire. Ça a dit, gloire pour pomper. Donc, je dis à l'âme, je comprends très mal que le gouvernement dominicain m'a dit nous camper son travail qu'a fait en dans la caille nous. Ça, il a eu le droit de m'a dit ça. S'il était ouais, il a commencé à pomper de l'eau. Mais beaucoup pomper de l'eau. Donc, c'est le moment, côté autorité haïtienne, tu as dû faire face à la responsabilité. D'accord.